Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir activer le mode carnage sur Shinonuma de Call of Duty Zombie Vanguard. Alors, pour réaliser le mode carnage, donc le mode carnage c'est un peu comme dans Cold War, en fait c'est un mode qui va vous permettre de passer de une manche à 20 manches avec des zombies qui courent super vite, comme si c'était déjà à la manche 20 quoi, tout simplement. Donc vous aurez un spawn de zombies plus rapide. Et ça vous permettra de gagner du temps. Donc quand vous êtes au spawn, vous allez devoir tirer sur cette lampe. Ensuite, vous allez devoir tirer sur cette lampe. Ensuite, celle qui se trouve juste ici. Ensuite, celle qui se trouve là. Et celle qui se trouve là. Mais vous allez devoir être rapide. Vous allez voir que quand je vais le faire, normalement, si j'y arrive, il va falloir être assez rapide et ça va enclencher quelque chose. Donc regardez, hop. Vous êtes assez rapide, hop. Après, je ne sais pas si ça fonctionne avec le pompe, mais normalement, ça devrait fonctionner avec toutes les armes. Hein. Hop, hop. Voilà, c'est bon, j'ai réussi, j'étais assez rapide. Et regardez ici, ça a activé une pierre qui me permet d'activer l'inducteur de carnage. Et là, quand je vais l'activer, bah, les zombies vont devenir plus énervés, vous allez voir. Ils vont commencer à courir, or que je suis manche 2. Vous allez voir qui... Regardez, regardez comme ils courent. Voilà. Et là, normalement, l'inducteur de carnage, il dure jusqu'à la manche 20. Après, peut-être que comme c'est sur Vanguard, ça dure en illimité, je ne sais pas, parce que sur Vanguard, c'est la première fois qu'on voit ça, en fait. Donc, ils ont repris un peu le même concept que Cold War, parce qu'il y a ça, il y avait ça sur Cold War. Donc, vous pouvez le désactiver et l'activer à tout moment. Voilà, là, je l'ai désactivé. Et là, je peux le réactiver si j'ai envie. Donc, ça peut être pas mal pour ceux qui veulent faire des speedruns ou qui veulent pas perdre du temps pour faire le secret rapidement ou faire des manches rapidement, ce stuff rapidement, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.